Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'entre elles Di Maria au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications, ça reste c'est évidemment c'est le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée d'entre elles Di Maria au FC Barcelone. En fin de contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin prochain, entre elles Di Maria ne sera pas prolongée par la direction du Paris Saint-Germain et va donc quitter le club de la capitale française. Annoncée dans le viseur du FC Barcelone, El Fideo pourrait finalement ne pas rejoindre la Catalogne cet été alors que la Juventus lui fait les yeux doux. L'aventure d'entre elles Di Maria au Paris Saint-Germain est sur le point de toucher à sa fin. Arrivée dans la capitale en 2015, en provenance de Manchester United, l'ailier droit s'est rapidement imposé en tant que titulaire indiscutable au Parc des Princes et est devenu l'un des chouchous des supporters parisiens. Mais après cette saison disputée avec le PSG, l'Argentin, en fin de contrat, ne verra pas son bail prolongé par sa direction et va ainsi devoir changer de club. Alors qu'il était annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, le dossier de Di Maria traîne avec la Juventus, toujours en embuscade. L'arrivée de Di Maria au Barça pourrait faire les affaires du FC Barcelone cet été. Une arrivée libre de tout contrat d'entre elles Di Maria serait bien perçue par Barcelone, bien que ce dossier ne soit pas jugé comme étant prioritaire, comme Ara l'a confirmé lundi soir. Du côté de la Juventus, on commencerait à perdre patience et l'optimisme, un temps ambiant se disperserait. C'est du moins l'information communiquée par Goal Italia ce mardi. Le journaliste Romeo Angresti a noté des sentiments négatifs qui sont en train de croître à la Juventus concernant la signature d'entre elles Di Maria pour la simple et bonne raison que la vieille dame exigerait une réponse rapide lorsque le clan Di Maria jouerait la montre dans le but d'étudier l'offre du FC Barcelone. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée d'entre elles Di Maria au Barça est une bonne idée? Ou est-ce que selon toi, l'arrivée d'entre elles Di Maria au FC Barcelone est une très mauvaise idée? En tout cas les gars, n'hésite surtout pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications, ça reste c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.